Quand une musique est trop longue à la fin de notre vidéo, on a tendance à la couper et à mettre un petit fondu. On l'a tous fait. Mais si vous voulez rajouter une petite touche pro, il y a beaucoup mieux. Donc voilà la musique où on va couper avant la fin pour rajouter un effet reverb. Donc par exemple à 1:36, alors que la musique dure 1:55 avec le silence à la fin. Assurez-vous à l'endroit où vous allez couper la musique qu'il y ait quand même encore minimum 5-10 secondes après pour que l'écho puisse se faire. Donc je vais couper à peu près ici. Donc je sélectionne ma piste. Alors on peut faire couper ou attraper la fin de la piste et l'amener directement à l'endroit où il y a la tête de lecture. On va regarder plus près si c'est bon. Voilà, il a bien coupé. À cet endroit-là, on va reculer de 15 images secondes en arrière. Donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ici, on refait un coupage. Voilà, on recoupe. Ce petit bout, on va le dupliquer vers le bas. Avec un raccourci clavier, on appuie sur Alt, on reste appuyé et on va vers le bas. Voilà, on va sélectionner le bout qu'on vient de dupliquer. On fait clic droit dessus, nouveau plan composé. Là, on laisse le titre comme il est, créer. De nouveau, on va encore cliquer sur la droite de la souris. Et là, on va faire ouvrir dans la timeline. Donc, il va ouvrir le petit bout qu'on a mis dans un plan composé sur une nouvelle timeline. Elle s'est mise en haut, la timeline, là, ici. Notre timeline d'origine, elle est restée à côté, on ne l'a pas perdue. Sur cette nouvelle timeline donc, du plan composé, on refait encore la même chose. Donc on va redupliquer ce petit bout. On reste appuyé sur la touche Alt. On l'attrape, on glisse vers le bas. Celle du bas qu'on vient de dupliquer, on va la désactiver. Donc on fait clic droit dessus. Alors, évidemment, je ne sais pas pourquoi, c'est le seul qui est en anglais. Tout est en français, sauf celui-là. Donc pour activer et désactiver le petit clip. Donc on va le désactiver. Maintenant qu'on l'a désactivé, on va le rallonger d'environ, comme je vous disais, c'est pour ça qu'il faut garder un minimum de musique après. Donc on va l'étirer, je vais réduire un petit peu le zoom, voilà, on va l'étirer quand même pas mal. Voilà, moi je vais mettre à peu près 6, on peut l'étirer, voilà, 13, hop, je réduis un petit peu pour qu'on voit mieux, voilà. Donc je l'ai quand même étiré pour avoir une certaine marge. On revient sur l'autre timeline du début, donc là on repart en haut, on double-clique sur notre timeline, on revient là. Là je vais pousser parce que je vais rallonger donc ici et vous allez voir que quand je rallonge, il y a du vide, il n'y a plus rien. On va chercher l'effet reverb dans effet audio. Hop, bah il est juste là. Donc je l'attrape, je le mets sur la piste du bas. Taille de la pièce, on va mettre environ sur 62, 60. Environ comme ça. Et ici, la durée de la réverb, on le met à fond. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à écouter. Donc évidemment, attention de ne pas mettre trop fort. On sélectionne celui-là. On va un petit peu baisser le son. Donc on va le baisser, voilà, moins de 10, on va voir. Donc je vais me reculer. Je vais mettre un peu plus d'audio pour qu'on entende un peu mieux. C'est quand même un petit peu mieux. Si c'est trop faible, vous pouvez un tout petit peu le remonter. Il ne faut pas qu'il soit trop fort par rapport à la piste du dessus. Autrement, ça s'entend, ça fait un effet trop fort. Donc on va un petit peu reculer et on va écouter ce que ça donne. Voilà, c'est quand même mieux qu'un petit fondu. Après, si vous voulez peut-être faire un son d'écho plus fort, on peut augmenter un petit peu le son. Ou alors peut-être le diminuer si vous voulez pas que ce soit trop fort, par exemple. Hop, on va le mettre à moins 13. Voilà, ça fait un tout petit peu, mais c'est quand même bien de l'entendre un peu plus, donc entre peut-être moins 9, moins 10. Voilà ce que ça donne à la fin. Évidemment, si ça vous paraît pas assez long l'écho, vous pouvez le rallonger. Voilà, si vous voulez un écho pour peut-être finir la musique avant votre vidéo, voilà, vous pouvez rallonger. Par contre, ne réduisez pas trop parce que ça risque, si on réduit, là par exemple, si on réduit ici, ça va faire un coupage à la fin. Voilà, c'est pour ça qu'il faut laisser pas mal de marge à l'endroit où vous coupez. J'avais dit un minimum de 5-10 secondes. Mais si vous pouvez mettre plus pour que l'écho s'étale un peu mieux à la fin. Voilà, puis après, là, vous pouvez, s'il y en a trop, vous pouvez couper. Si on veut aussi couper plus tôt dans la musique, donc par exemple, ça peut le faire aussi si vous voulez juste le début d'une musique qui vous intéresse. Par exemple, là, quand il y a ce un petit peu funk.
On va dire qu'on va couper peut-être avant. Ça a l'air pas mal ici, là. On va voir. Hop, voilà, juste avant que ça reprenne ici. Donc, on va faire un essai en direct. Je vais couper, hop, ici, à cet endroit. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais faire ma touche D. Comme ça, voilà, ça va tout enlever, même ce qu'on a fait avant. On va toujours compter les 15 images par seconde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On coupe, on attrape, on duplique. On fait un plan composé. Donc, évidemment, il me met deux parce que le 1 est déjà fait. Je crée, je vais dans la timeline. Donc, ouvrir dans la timeline ce petit plan composé. Je le rattrape, je le reduplique. Celui-là, je le désactive. Donc, c'est toggle, enable, disable clip. Ça désactive ou active le clip ou plan. Ça marche aussi pour la vidéo. J'étire. Alors, voyons voir ce que je suis à combien. Ça ne marche pas seconde. Donc, on va. Oh là, je peux. 7 secondes, c'est bon. Donc, je reviens hop sur ma timeline. C'est toujours la première. Hop, je peux réavancer. Je vais mettre mon effet de reverb. Hop, c'est bien s'il a gardé sélectionné. Vous pouvez essayer de faire une taille de pièce plus grande, mais bon, moi je reste sur le environ 60. Bon, je vais mettre 59. Là, la durée de la reverb, on peut le mettre à fond. Si vous voulez, vous pouvez le réduire. Hein. Vous pouvez faire des tests. C'est ça qui est intéressant pour faire des tests. Ne pas oublier aussi de réduire le son pour pas trop qu'on entende au derrière. On va dire à moins. C'est évident de prendre moins 10, voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. On va partir du début. Voilà, et ça fait un petit jingle en fait. Ça c'est bien, vous pouvez couper n'importe quel morceau de musique. Le début ou le milieu, un endroit qui vous intéresse. Ça rajoute un petit plus aux vidéos. Voilà, donc c'est hyper simple à faire. Maintenant, plus d'excuses pour mettre des fondus à la fin de vos musiques. C'est quand même plus classe l'effet reverb. Et puis en plus, vous pouvez le mettre n'importe où sur la musique. Il suffit de bien couper au bon tempo. Faut pas couper n'importe où, autrement ça fait un peu, ça sonne faux. C'était un petit tuto, mais très indispensable et surtout très utile. Surtout quand vous avez une petite vidéo et que vous n'arrivez pas à trouver une musique qui corresponde exactement à la longueur de votre vidéo, moi je vous dis à une prochaine. Sur ce, bon montage !